وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Une personne est venue voir Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été à son service 10 ans. Il lui a dit, « Oh, Aba Hamza, j'ai rencontré des gens qui démentent dans l'intercession et dans le châtiment de la tombe. » Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit Anas ibn Malik ? « Voilà les menteurs, ne t'assois pas avec eux. » Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit, « Ne t'assois jamais avec les gens des passions, car s'asseoir avec eux rend malade les cœurs. » Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a dit, « Ne t'assois pas avec une personne de l'innovation, car j'ai peur pour toi que la malédiction d'Allah tombe sur toi. » Il a dit ça à partir d'où ? À partir du verset que l'on a lu au début de la khutbah. Car Allah Ta'ala a dit, « Car si vous faites cela, vous êtes comme eux. » Écoutez celle-ci. De l'Auza'i, l'imam Al-Auza'i, rahimahullah. Un homme lui a dit, « Moi, je m'assois avec tout le monde. Je ne fais pas de différence. Je m'assois avec les gens de la sunna, je m'assois avec les gens de la bida. » Ou alors, quelqu'un a rapporté ça à l'imam Al-Auza'i. « Je connais un homme qui dit cela. Je m'assois avec les gens de la bida, de la sunna, et je m'assois avec les gens de la bida. Moi, je m'assois avec tout le monde. » Alors, l'imam Al-Auza'i, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, « Voilà une personne qui veut rendre égale la vérité et le mensonge, la guidée et l'égarement. » وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.